il faut dire très concrètement que quand Freud s'est inquiété des conditions de travail, des vies et de la population viennoise dans les années 20, et qu'il a proposé la création des premières polycliniques médicales, c'est-à-dire les consultations, ce que j'ai voulu nommer consultations publiques de psychanalyse, c'était un clin d'œil, une réponse à la préoccupation de Freud. Et aujourd'hui, tous les membres de RPH dédient une partie de leur temps clinique pour recevoir des gens qui n'ont pas les moyens de rencontrer un clinicien. Et d'ailleurs, des gens qui font un travail clinique tout à fait excellent, parce qu'il y a des gens qui viennent en psychothérapie, qui entrent en psychanalyse, qui trouvent un travail, qui s'organisent. Ce qui fait la différence, par exemple, entre d'autres collègues, c'est que chez nous, on respecte strictement les indications freudo-lacaniennes, c'est-à-dire on ne donne pas rendez-vous aux gens pour 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Non. Si l'inconscient ne connaît pas le temps, eh bien, nous allons suivre la logique de l'inconscient.